Et je trouve que celles-là sont bien, hein. Pas vulgaires, de la bonne qualité. Tu préfères le poney? Papa, j'ai 15 ans. 15, pas 8. Ouais. Ce moment, c'est pas facile avec Irina. Être père tout seul, tu vois. Elle est amoureuse. Sois gentil avec elle. Je vais lui parler calmement. Comprendre quoi, hein? Que tu passes ton temps à rouler des pelles à un garçon au père Strasbourg! Tu sais même plus ce que c'est qu'embrasser, alors arrête, hein! Vous habitez chez votre frère, c'est ça? Vous venez de quel pays exactement? Un pays qui n'existe plus. Tristan, je te vois imbécile, hein? Alors, vous ne pouvez pas demander le statut de réfugié politique en étant italien. Je suis dégoûté. Mais l'Italie est une démocratie. On est avec à sa tête un héros tombé, lifté, maquillé, qui détient tous les pouvoirs, la télévision, la presse, l'économie, une démocratie! Je résiste. Ça passe pas deux jours sans qu'il m'engueule. S'il avait une copine, ça le calmerait. Et nous, on pourrait respirer un peu. Je peux quand même pas lui en trouver une à sa place. Tu crois pas que tu pourrais peut-être un petit peu t'occuper de toi, de temps en temps? Je clique. Puis je dépêche. Non, non, ferme les yeux. Tu connaîtras pas mon psychologue? Irina Regazzoni. C'est moi. Enfin, c'est nous. Je veux dire, c'est ma fille. C'est vous qui avez des problèmes, monsieur Regazzoni, pas elle. N'importe quoi. Mais n'importe quoi! Que vergogne!